Sir Alex Edlex. Virilité. Virilité. Je te propose qu'on élimine direct. Mais il fait des... Attends, t'as vu les sauts qu'il fait lui? Je vais poser mon OMR. Il a fait un saut de mouche. Mais regarde, ça va se voir sur le replay. Regarde le saut qu'il a fait. Non mais je sais pas, il fait des trucs trop chelous. Il a décollé super vite, il est redescendu direct. Enlever ces putains de coins au but quoi. Il y a une... Oh, ça c'était un tir viril. Ah, ça c'était viril là, ça. Comment elle part comme ça, putain? Vous l'avez pinché tous les deux? Ouais, okay. Sûrement. Ouais, c'est quand même. C'est vraiment de pas bouger d'un poil. Y aller, je crois. Oui, je crois. On peut enlever le rideau de transversal. C'est moi aussi, non? Même sans qu'il la touche, ouais, ça y allait, hein. À mon avis, hein. Ouais, je sais pas ce poteau, je sais pas ce qu'il faisait le poteau. C'est où? Eh oui, here we go, c'est la fin de Mario. Ah non. C'est bon, y'a personne, tu peux y aller. Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Allez, triche, on va mettre. Hop. Mais repasse-le pour triche. Non, ça sert à rien. Ou alors tu screen et tu fais un de ces fameux tweets. Dont tu... tu seul toi le secret. Ah, là, j'ai aussi une autre mission pour toi. Non, je panique, non. Je savais pas où était le but. Moi, je savais pas où était le but et si c'était cadré, j'ai... 36 points. Oh, mais ça fait bim bam boum, dans ma tête, y'a tout qui tourne. J'ai fait exactement ce que je voulais faire. Oh non, c'est mal visé ça. Et détecteur de fantômes. C'est bien visé ça. Fais pas de Nico. Et on a un thermomètre. Fais pas de Nico. Il a dû me le faire au moins deux fois quand même ça. Et moi une fois. Il est 5h du matin, là on se dit. Oh mais comment là, mais comment? Chou sur lit. Franchement main gauche. Ling. Et hop. Oh, le lait gelé. On ajoute des choses au lore. Est-ce que ça fait vraiment comme comme du lot? Est-ce qu'on a déjà essayé de geler du vin? Hérésie, je pense. Allô. Hérésie. Bah ouais, c'est ça le problème. La désespération. Je se dis le désespoir. La désespération. C'est bon, je peux m'inscrire au Marseillais. C'est typiquement le genre de truc qui peut me sortir quoi. Des fois tu vois, je me demande s'ils le font exprès, bah du coup bah peut-être lampe, pas hein. En fait. C'est chiant, si t'as pas de lampe. C'est pas, pas que des coups de com quoi. Ah, la crampe au mollet. Au petit bonnet fringant. Faut pas se fier Ah non. J'avais l'intention mais j'avais pas l'action. Elle aime vivre, hein, elle aime les grosses bagnoles et les... Du demain tribunal, c'est... ils le retiendront aussi. Merde, oh la grosse merde, oh la grosse merde. J'arrive. Il m'a poussé, putain. J'ai fait un gros mis stratégique sur toi. On va vérifier s'il y a une trace de main, non? Peut-être aller voir s'il y a quelqu'un. Oh yo yo pute. Vous cherchez une multiprise? Yo yo pute. Le nouveau jeu pour les enfants. De moi je pensais que c'était un mec du casting. Là c'est quoi? Là, oh non, mais je devais avoir là. J'avais l'intention mais pas l'action. Ah, toi t'avais l'intention mais l'action. Si vous êtes là, claquez cette porte. Le casting du nouvel abouti. Ah non, c'est Yo-Yo Man. C'est Yo-Yo Man. C'est Jojo Dancer. Il était déjà présent. Faut que je m'entraîne, faut voir que je m'entraîne à personne. Sans déconner là, c'est le next level ça. Alors là j'ai ni l'intention ni l'action. Je vais fermer la porte. Non, non, non. Putain, j'ai failli taper dedans. Oh, c'était une mascarade que je leur ai fait quoi. Quelles sont tes intentions Lucas? Oh putain. Oh putain.
Moi je sais plus bouger parce que je savais que j'allais taper dedans et la mettre où il fallait pas. Bah c'est bien ça. Oh, ça sent l'autre boudin ça. Vas-y, vas-y. Je la sentais l'autre boudin, putain. Là c'est putain engagement. Ils sont tournés comme des bouches, comme des bouches. Des bouches tournées. J'ai l'intention et j'ai l'action. Non, je l'avais. Non, 100%, je la mettais 100%. Oh non, mais non. Ça suffit. Ils sont tournés comme des bouches autour du mot. J'avais la rapidité mais pas l'angle. J'avais l'intention et pas l'action. Bah ouais. Oula, là par contre je vois aucun des deux là. Ah ouais, merde. Bon, j'y vais, j'ai peur de rien. Ouais, les étoiles faut les acheter avant mais... Stop, assez de Wallaï et Lairi. Oh, tu peux, tu peux, tu peux. Vas-y, vas-y. Stylé. Ah ouais, c'est des... Ah, c'est une grande roue. Ah, c'est trop stylé. Faudrait qu'on trouve une... Ouais. Du coup, c'est une petite roue. Mais il va une lol, forcément. Il y a eu de, l'au... bah, ouais, de l'autopétage mutuel. Mais comment on peut être aussi con, mais comment on peut être aussi con, en fait? Mais comment on peut être aussi con? C'est le perron. Et on peut s'en sortir. Il y a pas d'eau sale. Mais sans déconner. Ah. Oui, je survive les cons comme ça, bah comme ça en fait, ils... Enfin, la chatte. Et où? Oh! Et où? J'ai failli. C'est pas bon. Alors là, Fais peur à 20 0 TT. Elle rebondit comme ça en plus. Bon, faut qu'on monte, je vais toutes les portes en bas. Hein. Ouais, y'a une porte qu'on a pas fait ici. Mais j'étais sûr qu'elle rentrait. Ah, mais elle rentrait, hein. Mais elle est rentrée, mais. Est-ce qu'il y avait l'intention parce que ça sera au dessus contre vous? Oh non, elle y allait. Quoi? Mais comment il... Non mais... Mais elle y allait, il l'a pas arrêté. Oui. Il a poussé le centre de coup. Le juge l'atteignera ta peine, hein, si t'avais que l'intention. Non, on pouvait pas l'intention, mais... Oh non. Là, elle était dedans quand même, quoi. Oh non, 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 oh non. Ça a senti le fion à des kilomètres. Oh non mais ça sent encore le fion. Et il l'a mis de haute. Il l'a mis dans le lot. Je fais de la merde aussi là, comment je la loupe. Le 46, la préfecture au Cahors. Oh bah allons à l'étage hein. Mais encore une seconde du 2 minutes. Tout à l'heure aussi. J'ai des problèmes d'enculage du... Ouais, oh, eh, oui, 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 oui. Souné. C'est Thomas, si vous êtes là, faites un bruit. Moi je vais prendre le temps d'être sûr de la voix. Ta gueule. Je vais prendre photo, non. Il y a DJ. J'espère que ça vous dérange pas. On a juste une petite photo à faire. Pas de problème. T'as cru quoi là? Il a juste pas mec qu'à l'arrêt dans le chat. Bah ouais, bah là ouais, déjà c'est un motif de prison pour perpétuité. Ouais, prison pour perpétuité. Comme ça, me fait une petite salope. Il faut que tu sois parti. Il faut que tu m'aides d'abord. Ah, mais ça vaut prison pour perpétuité, ça. On a juste fait ça comme ça. Perpétuité, ouais. Prison pour perpétuité, oui. Oui, oui. C'est très sensé ce que je dis, perpétuité. Ça vous embête avec le disjoncteur, c'est pour que vous êtes dans 7. Les motherfucking ball. Oula, la lumière s'allume ici. Oula, ils ont eu peur. Est-ce que c'est vous qui jouez avec le disjoncteur? Je la mettais à la base. Si vous m'avez pas pété. Je la mets à la base. Ouais, c'est toi qui joues. La base. Non, c'est moi un truc ici, qu'est-ce qu'il fout? Bah ouais, on y va à deux les cons. Non, c'est Thomas, montrez-vous. Et dites-nous où est le crucifix. Ah mais je sais pas aller droit. Je vais quand même marquer. Oh non. Elle veut plus. Ah non mais c'est grave. C'est grave à ce niveau là, il a même pas réussi. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Si, il a pas mis tout seul, je l'ai pas touché. C'est pas possible. Voyons toute l'action. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je la vois. Ouais, peut-être réussir là. Ah non. Mais non, mais non, mais non.
Mais non. Mais c'est platine ça vraiment, c'est pas possible. Ils vont pas réussir à en mettre un. Ils vont pas réussir. J'en souligne. Ils vont pas réussir, je suis laid. C'est grave. Ah bah voilà, mais attends, mais c'est pas possible à un moment. Le G quoi. Tu as vu, il y a le G Le G commun. Oiseau endémique de la forêt préhistorique de d'Asie. Le G commun dans les troncs d'arbres des acacias. Retrouvez les oiseaux endémiques dans notre collection. Les oiseaux les plus incroyables. Vas-y, ils sont alpagueurs. Ah merde, c'est toi ça. Putain, j'ai géré là. C'est pas évident ça. Combien de maïs ça vous apporte les effets plus nécessaires pour la journée. Oh. C'est extraction. C'est à la fois de l'étonnement et de la peur et de du désarroi. C'est quoi déjà de la désespérance. Le chien commun qui a fait son normal. J'étais poussé dessus ou quoi? J'ai poussé dessus. Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais... Petite trace de pneu dans mon slip là. je sais pas, j'arrive pas à les lire les mecs, j'arrive pas à les lire. Je ne parviens pas à les lire. Comme un mandalire. Oh merde, non. J'ai pas de boost. J'ai pas de boost. On était dans les escaliers. Sale pute. Wow. Allô ? C'était malaisant ce moment. Mais c'est bon là. Mais il est né pour enculer les gens lui. Non. Il est pour faire chier les gens lui. Non. Oh le Ouga Wakateki, oh putain. Non mais il y allait. Non mais la fondation dans le McDonald's elle a coulé là, c'est bon. Dommage qu'il n'y ait pas eu le Z-Event avant. Oh merde. Z-Event dans la fondation, là c'est incroyable, je me pisse dessus, c'est la chance ça arrive. Oh putain. Non mais j'ai fait de la merde. Je voulais aller retomber plus vite et je suis resté en l'air plus longtemps du coup. Alors... Mon véhicule fait un bruit inhabituel en passant. Oh le poteau qui s'est pris manger lui. Ah il a léché le tout le tour du poteau. Je pousse. Oh, c'est viril ça! Ça allait pas, mais au moins ça rentre! T'es obligé d'être viril pour que ça rentre? Ok, boomer! Non, mais je sais pas, ils m'ont laissé faire! Bah, ok, boomer! C'est grave, mais l'autre il s'est encore pris le poteau! On a le rodo, Soyoko Toko! C'est un cri de Pokémon ça. Non, c'était la peur mélangée au rire de Woody Woodpecker. Oh je la touche. Mon dieu. Je la touche et elle rentre pas, elle rentre pas. Je la sors. Putain rare, ça arrive tous les jours quoi. Avec quoi me détourne la plante. En fait tu peux pas la loot, t'as obligé de payer. Ça serait merde, y'a pas très bon. La belle affaire pour cette saison, l'offre c'est gagner un casque à billard, super. On pourra bien rajouter à la beaufrie. Extract chromosomes. Ah non, mais c'est des trisomiques. Évidemment, le temps c'est Chris Latté. Ça attendra. Voilà ce que ça. Mais non, mais il n'y a pas de danger.
Voilà. T'as ce que t'as eu, t'as ce que tu voulais, voilà. Non mais c'est bien, comme ça on va voir qu'on est des merdes, on va les éclater. Non mais de toute façon c'était foutu, même si je faisais rien. Genre. La pistole à fond sur la menade, elle a ouvert juste grâce à toi là. Non, c'est un singe, c'est un singe, c'est un singe. Non, peut-être que c'est un feu. Tu vas tirer dans le but du dragon de jade. Non, c'est la game de la roue libre, là, c'est fini. Moi, je suis mort par contre là, je suis mort cérébralement là. Je fais des tours, je sais pas quoi faire. Non mais là ça me stresse. Parce que là le prof de sport il m'a dit fais trop trop le tour du terrain, je l'ai fait. Mais quoi? Oh mais là, mais elle y va en fait, elle y va. Là ça m'a rappelé l'entraînement, ça m'a rappelé le tir de l'entraînement ça. Suivi d'une amende. Et prison ferme pour 6 mois. Oh suspension, c'est pas retraite ferme. Ah ça par contre c'était beau putain. Suspension, c'est genre tu dois faire un stage pour le récupérer. Yaouh. Mais non. Mais non. Ils sont trop, c'est trop laxiste. Moi tu vois c'était un peu marqué au début là. Toujours tout droit. Oh les fils de pute. Je l'ai senti putain. Il est AFK, il est vraiment AFK cet abruti. Bah viens prendre ta gueule. Ou alors il troll. Ah bah il va pas troller longtemps cet enculé. Je pense qu'ils vont quand même gagner. Non mais peut-être, mais je m'en bats les couilles. Non. C'est qu'ils vont gagner. Non, ils ne gagneront pas. Non, ils ne gagneront pas. Et vas-y, ils ne gagneront pas. Mais vas-y. J'ai tout donné, putain. On revient de vachement loin là quand même. On revient d'un 4-2. Ouais. Putain. Eh, c'est. Eh, vous tuez la barre en fait. Oh non, me dis pas qu'ils font une... ah, les idiots du conf. Avec Chris Laté, on l'a laté. Oh, il est nul. Ah non, moi aussi. Voilà, et puis ça va dans ton j'ai fait. Moi j'ai fait des curieux volants. Non, mais faut que j'apprenne à déloquer cette putain de cam. Et là, je continue en fait. Je dis ça, mais je continue. Ah non, c'est bon. Marcron! C'est une manière de diamant, je dis ça, mais c'est une manière de diamant. Je m'en bats beaucoup, frère. Il y a longtemps, mais oui. Hein. Je m'en bats beaucoup, frère. Non, mais tu t'en battras moins les couilles quand tu te feras la télé. Oui, forcément. De toute façon, j'ai dit qu'on allait pas. Bah non, pas celle-là. Ouais, la gueule. Celle-ci aussi. Non, mais c'est sûr que si tu vises pas. Voilà. Tu vois? Pompier. Parce qu'en fait, s'il y a un. Crois-le après. Pompier, s'il y a. Mais non. Alors que vraiment le SAMU peuvent pas être en incendie. C'est sûr que c'est pas la gendarmerie. Mais non. Mais non. Parce que là c'est des exploitants, ça veut dire qu'ils vont avoir une hotline mais non. Ouverte H24 genre. Ah bah voilà, il y a une chenille qui s'est ouverte. Oh pardon, c'est un peu. Mais non, j'ai pas fait play. Ça c'est toi qui me l'as appris ça. Non mais quel animal. Non aussi c'est pas fou. Non mais je fais. Non mais que je fais des trucs. Non, je dis faire des trucs, je tente des. Des trucs d'engagement. Si tu vois, je suis maintenant. Je te jure que non, je l'ai fermé là. Et en fait, j'ai déjà rentré dans la voiture de gens qui disaient des trucs genre. Mais non mais concentre-toi aussi. C'est un bug. Je tente. Le mec il disait de faire deux flips au l'engagement, j'arrive pas. Ah mais quelqu'un dit profite un voyant de rien dire. Un voyant moteur et. Oh je suis pas concentré, ouais. Ah non. Bah non. Moi je vous conseille de jouer à fond qu'on voulait. Eh, pied au plancher. Allez. Non mais ça putain. Ah ouais. Non, pas comme ça. Il me casse les couilles. Blaise Fast Weed encore, il a encore rien à foutre. Blaise Pascal là. Non mais c'est pas. C'est enculé. Mais non. Il m'a foutre là. C'est vrai qu'il a foutu 7 tirs ce con. Oh non! Oh les merdes! Oh bah là je m'arrête! Ah, moi je m'en peux écraser à côté! C'était guerre nickel, putain! Tous ceux qui tombent autour de moi!
Ouais, je ralentis. Je suis au shooter. La bouche est fracassée. Let's go! Let's go! Oh la vache! Il était propre! Il était propre! Ah, j'ai calculé! C'est vrai que c'était propre! Ah, mais c'était propre, je l'ai calculé celui-là! C'était propre comme. Comme le slip de Christine. Ah non! De Christine Boutin? Peut-être plus en ce moment! En ce moment! Alors, je veux dire, Christine Boutin, elle arrive à un âge où tu vois. Sexe! Les pads est une option, quoi, tu vois. Elle pourrait très bien y aller. Mais après, si elle décide de pas y aller, c'est son choix aussi, tu vois. Mais en revanche, la présidentielle, bon, faudrait éviter quand même. Enfin, j'aimerais pas avoir une bouteflika féminine. Bouteflika, oh putain. Bien. Je t'ai poussé dessus. Oh, ils ont quitté. Je t'ai balancé dessus. Oh non. Je crois que c'était le but des abîmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as combien de santé mentale? Plus beaucoup. Ouais, moi j'en ai 110. Il a encore rallumé le robinet. Ouais, moi je l'allume. Les hectolitres se déversent. Ils aimeraient bien se déverser dans ton évier là en fait. Tout douce. Agite ton poireau. Je bois. Agite. Hein? Agite ton robinet. Il vient de me souffler dans l'oreille, James Clark. Ah. Vas-y, marque. Oh, marque du trou. Il a encore. En fait, il a ouvert le placard et après il est venu me souffler dans l'oreille. Le placard. Ah, il a marché aussi dans le. Ouvre mon placard. Il a marché là. Pénètre dans le monde de Narnia. Il a marché dans le sol et ça m'a rien fait. Si tu vas suffisamment profondément dans mon placard, tu iras dans Narnia. Merde, tu sais. Non. Vas-y, plus profond. Non mais t'as pas. Allez, bam. Pas de blabla, bla, pas de foutaise. Que du sexe. Les gourgandines et coquinettes de tiens village t'attendent. N'oublie pas d'allumer la lumière en fait quand tu vas. Pour garder ta chance. Je peux pas observer ton corps. Dans la salle de bain là où tu vois la caméra en haut. C'est trop bon, Tada! Il arrête pas d'ouvrir le robinet. Oh oh! Et le placard. Là, ce placard là, il n'arrête pas de l'ouvrir et c'est à feu. Quand tu l'as ce soir avec moi. Non, tu vois le truc, je l'ai posé dans le. Dans les fondements de mon être. Daniel Clark. Daniel Craig. Daniel Abdul Clark. Je suis ta James Bond girl. Oh merde. Ouais, dis chaud. Alors, à quel âge Martin s'est fait retourner pour la première fois? Quel âge Morgan la grosse guerrière? Oh non. Le karma. Oh putain, le karma, y'a pas vrai. Je sais pas, il m'a le tourné, c'est histoire. Non, dernier, en plus, c'est cool. Bon, Katsuni, je bois ta pisse. C'est tout ça. C'est un belge, un véritable gentleman. Déclarer sa flamme à Katsuni. Dit, je bois ta pisse et je mange ta merde quand tu veux. Tellement que t'es bonne. C'est très bon, c'est un tatouage. Très avancé, conne de. Les gens qui parlent en français. C'est très mental pour dire ça. Mettez-vous pas là. Et non, oui.
T'es là pour voler le but. Non, en vrai, je devais te la laisser, mais... Nous aussi, on s'envoie en l'air. Ah non, on manquait plus d'avance. Oh, la motivation. C'était incroyable, ça, quand même. Oh non. C'était l'épouse chrétienne de Clovis. Oh non. J'ai envoyé sur le mec, quand même. Non, mais quand même. C'est fort, hein. Toujours qui babard adventure. 18. Ciao. Et bah le toupie. En plus, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un jeu bizarre qui s'est installé. C'est-à-dire que moi, tu sais, je dis, à chaque fois que j'arrive, je dis bonsoir à tout le monde dans la salle, tous ceux que je croise. Et quand je pars, je dis bonne soirée à tout le monde quand je pars. Mais il y a un jeu bizarre qui s'est installé avec elle où, en fait, à chaque fois, c'est vraiment. Tu vois, il y a un regard, il y a un sourire à chaque fois, vraiment. C'est bonsoir, tu vas bien appuyer, mais genre, pas pour les autres personnes, tu vois, pour. Par l'ami. Et même pareil, tu vois, c'est. Il y a une espèce de check, genre en mode. Est-ce qu'il est encore là? Ah, il s'en va, bonne soirée. Avec un regard et un grand sourire, alors je sais pas. Ah bah surtout quand elle regarde le bas du flirt et qu'elle voit que bah effectivement il y a de matière. C'est le Kilimanjaro quoi. C'est le Kiki. Tu sais, je veux t'avouer un truc. Non, le jour, tu sais, la fameuse collègue, l'agent. L'agent, nous l'appellerons l'agent J. Très bien. Le toit, ouais, J pour Janine, exactement. Le jour, je la revois, parce qu'en fait, elle revient de temps en temps, quoi. Genre, bon, évidemment, genre quand j'ai appris qu'elle revenait, j'étais entre la joie et le stress, qui en mode, let's go, yes, yes. Et en même temps, trace de pneu. Et en même temps, de pneu. Tant qu'elle est pas plus jeune que moi, ça me dérange pas. Mais après, je suppose qu'elle se dise la même chose, qu'elle préfère les hommes plus vieux parce que soi-disant plus matures, hein, alors que ça ne veut strictement rien dire. L'âge, il y a des mecs de 30 ans, c'est des putains de. C'est des mais putains tu te contredis complètement. Mais oui. Mais non, c'est du parce coup, que. Du coup, ça veut rien dire l'âge. Bah non, mais pas toujours. Genre, c'est pas parce que t'es plus jeune ou plus vieux. Enfin, la maturité, ça n'a aucun rapport. On a fait croire pendant des années que l'âge et la maturité c'était corrélé, alors que pas du tout. Tu vois, t'as des gamins. Alors attention, là, ça va faire phrase de pédophile, mais vous me comprenez. Oh, il est mature gamins, pour son âge. Il y a des gamins à 12 ans qui sont plus matures que des mecs qui en ont 25. Genre, ça, c'est véridique, c'est une réalité. Bien sûr, évidemment. C'est très peu. Bah, je pense que Greta Thunberg est certainement plus mature. Oui, en vrai, oui. Que. En vrai, tu sais, enfin. Oui, bah, il y en a qui sont masculines. Bah, ouais, tu sais, enfin. C'est compliqué. J'ai peur d'être homophobe. Mais tu sais, mais souvent, on a le cliché de la lesbienne qui s'habille comme un mec. Bah, oui. Mais je pense que il y a un côté tu sais elles veulent assurer un peu leur virilité, n'est-ce pas, et je suis sûr qu'elles sont plus attirées par des filles extrêmement féminines, et comme nous je pense qu'on est attiré par des femmes qui selon nous sont très féminines. Non mais tu vois ce que je veux dire, elles sont très féminines quoi, enfin... Tu peux faire des combats d'épée avec... Tu peux pas faire Excalibur, ma bonne année, tu vois. Bah si, c'est le trou. Ah, okay. C'est vrai qu'il y a plusieurs mondes. Fume fucking dicking you. Et toi tu seras surpris, peut-être que la fille que t'essayes à la salle, si ça se trouve elle a 30 ans et tu le sais pas. Hein. Non, alors là... Ouais, mais ça se trouve c'est détective Conan, hein. Ça se trouve c'est JT Conan. Si elle a 30 ans, mon gars. Mais vraiment, parce que... C'est Alibala. Je vais te dire un truc.
Non mais. Ça va, ça s'arrête juste là, tu vois. C'est s'il passe à la vitesse supérieure et qu'effectivement. En vrai, est-ce que tu dois pas être accompagné jusqu'à 18 ans? Je sais pas, moi, y aller tout seul. Donc... Alors attends. Je légale salle de sport. Tu peux t'inscrire à partir de ça. Non, le Lolo. Mais je comprends pas. Tu comprends pourquoi j'avais un peu peur aussi. Oui, là, je. En fait, je saurais pas lui donner précisément un âge. Mais je pense qu'elle est plus jeune que moi et je lui donnerai pas plus que 21 ans. Donc c'est ça le problème. Voire 20. Voire 12. Ouais, il y a des écarts d'âge hein, quand même. Hein. Aïe, les écarts d'âge. Donc. Ouais, alors il y a des. Non, mais parce que par exemple, on va prendre l'exemple de The Kyrie, il est dans son droit. Il a le droit. Bah, lui, il sort avec une fille qui a 16 ou 17 ans, je sais plus. Alors que lui, il en a 30. C'est à cause de ça, du coup, le rap de. Bah, c'est. En tout cas, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, The Kyrie, il est pas bien, tu vois. Enfin, genre, il a pas une très bonne réputation sur le net. Alors, un adulte, que dit la loi? Un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans. Cela est même considéré comme une circonstance aggravante. Mais entre eux, ils peuvent. Ah, après 15 ans, s'il est d'accord, une adolescente peut avoir des relations sexuelles avec un adulte, sauf si ce dernier est l'un des ascendants. Ok, bon, parents. S'il est amené à s'occuper de lui ou d'elle. Ah oui, parce que je suppose que c'est abus de. Je garde un truc hiérarchique. Entre enfants de moins de 15 ans, les gosses peuvent jouer à touche pipi entre eux, ça ne pose aucun problème. Non mais. Ça fait gueule, c'est pas moi qui ai inventé l'expression, n'est-ce pas? Mais du coup, c'est illégal si, genre, elle a. Elle a 17 ans et 11 mois et 29 jours. Bah. Une gamine de 17 ans peut coucher avec un mec de 30 ans. Non mais en fait, moi honnêtement je lui risquerais pas. Parce que... Non mais je comprends. parce qu'en fait il faut son consentement. Donc à partir du moment. Mais avec toutes les femmes il faut le consentement. Mais oui. Mais laisse-moi finir. Oui oui vas-y, je te laisse finir. Le problème c'est que. Bonne nuit. Oui. Ah. Mais c'est bien. Bonsoir. Bonsoir, on va dire. Tu arrives au moment le moins croustillant du débat. Tu veux aller voir mon McDo? J'ai vu ton grand M. Oui. T'es pas allé dedans? C'est. Non. Un peu au début, durant l'après-midi, mais c'est tout. Ah ouais, non, mais là j'ai bien rempli toutes les tables et tout. Ah. Il y a le comptoir. C'est quoi le débat? Faut-il interdire ou pas les. Oh non, mais j'ai encore des discussions philosophiques sur là, comment on approche une meuf et tout. En résumé. Et quel poucave lui aussi! Toi, tu sais pas pourquoi? Les personnes t'auront à le dire quoi là. Non, ça va. Puis, non, je pense que ça n'intéresse personne de savoir comment tu approches les meufs. Désolé, mais. Non, Non, c'est pas tout à fait ça. C'est parti. Ah, c'est précis. C'est parti sur ça. Après, merde. Au départ, c'est parti de son histoire personnelle. C'est mon choix. Il n'arrive pas à s'approcher. Et ensuite, c'est parti de. Le mec qui trouve une naine jolie à la salle. Et où il y a un jeu bizarre qui s'est installé depuis quelques temps. Waouh. J'attendrai les évolutions de votre histoire, monsieur. J'attendrai le prochain épisode avec impatience. J'attendrai vos retours. Et tu sais ce que ce sera nos retours? Bah, la saison 2 a été annulée. On n'a pas les fonds nécessaires. Tu cherches un appart à Toulouse. Ça y est, je vais à Toulouse. Je vais plus à la salle du coup chez mes parents. Donc, je la vois plus. Triste. Mais ça, ouais. Il nous reste quand même assez de temps pour que ces signes t'atteignent.
Moi la saison, moi les saisons vont continuer, les saisons, saison 2, saison 3, mais ce sera pas la même saveur que la première saison. Ce sera nul et chiant et décevant, mais je continuerai quand même de la regarder la saison. Parce que pour le moment, je n'entends que des paroles venant de toi, je ne sais pas si c'est de la vérité ou si c'est toi qui te fais des films, voilà, disons-le nous. On se fait tous des films. Oui. Ah. J'attends le film de notre propre vie. Non, j'attends d'autres retours pour me confirmer. Je suis persuadé qu'il y a un jeu qui s'installe, mais ça c'est sûr et certain après. Je vais installer sur quel ton téléphone. Moi je suis persuadé. Maintenant j'espère que ces persuasions. Je le sais, je suis suffisamment rationnel pour le savoir. Et du coup, je le sais pas en fait. Je sais pas. Non, et du coup, d'un côté, je me sors un contre-argument et je me dis bah ouais, c'est mort. Et de l'autre, ouais, mais il y a quand même de l'espoir. Mais de l'autre, ouais, mais non, c'est mort. Et genre, c'est tautologie. Soit c'est bon, ça va, soit non. Et genre, j'arrive pas. C'est binaire. J'arrive pas à savoir si c'est mort ou. La situation, elle est plus compliquée que ça. Bah ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est mort. Oui, mais elle est trop compliquée aussi. Oui, mais ce qu'il a pas dit, c'est qu'elle était potentiellement mineure aussi. Quel enfoiré, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Non, mais... Oh, je sais pas qu'elle est en prison. Oh là 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 là. Non, jamais. Non, moi je suis comme mon président. Je préfère les femmes mûres. Eh ben là, il va falloir que tu prennes un peu plus âgé. Ah non. Il faut du bon vin. Là, va falloir que tu prennes à 40. Alors, figure-toi qu'il y a des femmes de 40 ans qui sont quand même très belles. Je n'ai jamais nié. Mais Tu sais, moi je connais des bandes qui... Ah mais non, c'est pas pareil. Alors moi, Penelope Cruz, quand elle veut. C'est pas la vraie vie, ça. Quand elle veut. La vraie vie, c'est du cinéma. Du cinéma, viens. Et belle, quoi. Mais il me bat contre un champion, fais chier. Moi je comprenais pas Nicolas, je croyais que t'étais en couple avec Lucas. Bah ouais, en plus que sur un compte là. Pourquoi tu parles de filles? Dis à vous. Pourquoi t'essayes de rentrer dans une relation polygame Ou à gauche, tu aurais du tas, à droite, tu aurais... Non, mon orientation sexuelle, c'est que je suis polyamoureux, en fait. Je suis polyamoureux. C'est de la polygamie, mais sans l'assumer, en fait. T'es sapio ou pas? Je suis polyamoureux. Ouais, je suis sapiosexuel, j'aime les gens intelligents, c'est bon. Je crois que t'es pas tombé sur le bon, alors. Non, je suis désolé, je suis pas du tout sapiosexuel. T'es pas tombé sur le bon, alors, ça... c'est... Non, mais de toute façon, c'est tout inventé pour te donner un genre. Ah, grand paupier. Carrément. Non, mais le pire, non. Le pire, c'est qu'elle m'a dit bonjour. Ça, c'est ma plus grande peur. C'est, tu vois, ça, c'est ma plus grande peur. C'est que il va capter direct, tu vois. Lui, je le connais. Hein? On parle d'Andra Smith. Alexandra Smith. Oui, il faut d'abord que je finisse ma partie de PEX. Je cherche qui est Alexandra Smith. Non, Sandra Smith. Et tu trouveras rien. Et cherche sur YouTube, tu trouveras. Actrice. Alors, elle a 80 balais. Oh mon dieu. Alexandra ou Sandra? Sandra Smith est une actrice américaine à la retraite, née le 28 janvier 1936 à Minneapolis, aux États-Unis. Je suis désolé, alors, quand je parle d'écart d'âge, Florian, je veux pas prendre... Tu vois, c'est pas les extrêmes.